Venez où? Y a quel souci, s'il vous plaît? Sortez où? Parlez, y a quel souci? Ne me fais pas les enfants. Quand il vous dit qu'on dort plus là, il peut pas avoir fait quoi, bien ma soeur, zouin, zouin, moi il parle pas. Vous allez comprendre. Je coupe les poissons quand je parle là, vous ne comprenez rien. Parce que pas plus tard que tout à l'heure, la fille de Tina Glamour vient de faire vidéo. Voilà. Pour venir dire les deux mots de même famille à Louise Makoso, dit Lolo Beauté, et à Makoso, son frère. Hein? Cette histoire-ci, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. Et la personne qui t'a expliqué là, faut retourner vers lui encore. Il va bien t'expliquer. Yes, sir! Pour mettre les points sur les i. Les points sur les i, les i sur les points. Les i, pas qu'il ne sait plus. Nous qui pensions que la boîte de Pandore était enfin fermée, qu'on avait tourné la page et qu'on allait sur les autres bérets. Le béret en train de se rouvrir. Parce qu'il ne faut pas à cause de ça là. Que Lolo Beauté a venu encore lancer encore les bombes micrielles. Bombes micrielles. Ah, vous voyez, actuellement, Tina Glamour est en train de partager encore les publications, les vidéos des filles qui sont en train de faire vidéos sur les vidéos qui sont passées depuis. En temps, elles ont fait la paix, il paraît. Donc, vous voyez l'histoire. Mais où est celui-là? Ici, venez vous dire son mot. Bonsoir. Je viens ce soir pour me prononcer sur l'affaire qui se passe entre Lolo Beauté et ma mère. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui se passe sur ma famille, sur ma mère, je ne me suis jamais mêlé de ça. Mais pour cette fois-ci-là, trop c'est trop. Parce que Lolo Beauté, à ce que je sache, toi et moi, on est promotionnels. Donc, je ne te permets pas, en aucun cas, aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, de manquer de respect, ni à ma mère, ni à ma famille, ni à ma grand-mère. Voilà. On sort d'un deuil, ça fait à peine un mois. Ma mère vient de perdre ma petite soeur, bébé Carla, que tout le monde connaît. C'est maintenant, grâce à Dieu, on arrive à se retrouver. Christ est venu mourir à la croix de Gogleta pour toi. Même si tu as des différends avec ma mère, ce n'est pas pour autant que tu vas l'injurier jusqu'à ce point. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. Si toi, on injure ta mère comme ça, ça va te faire plaisir. Toi et Makoso, vous vous prenez pour qui à la fin? Il ne sait plus. Vous dégoûtez au monde entier. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous dégoûtez à tout le monde à cause de votre mauvais comportement. Vous dites que vous êtes bien éduqué, vous allez venir refaire l'éducation de ma mère. Apparemment, ce n'est pas le cas. Hein. Je suis désolé. Parce que des personnes bien éduquées, comme vous le dites là, n'auront pas de ce genre de langage sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est clair. À ce que je sache là, vous-même là, vous n'avez pas reçu d'éducation. Non, 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 là, non. Là, tu touches à ma sensibilité. Quand vous dites que ma mère n'a pas bien éduqué ses enfants, vous savez ce qu'on appelle éduquer des enfants? C'est quoi? On a fatigué! Maître! Toi, Lolo Beauté, tes enfants, tes jumelles là, si demain elles regardent ce que toi tu fais sur les réseaux sociaux là, elles vont penser quoi de toi? Vraiment? Ça va leur donner une bonne éducation? C'est pas le buzz que je recherche. Yes! Sir. Je viens ce soir pour vous montrer mon mécontentement envers tout ce qui se passe. Ok. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un là, c'est à moi. Chut! Oui, ça l'est. J'espère qu'ils ne vont pas se bombarder ici encore. J'espère qu'ils ne vont pas se bombarder ici encore. Parce qu'ils ne savent plus. En tout cas, on est ensemble. On est assis. Eux sont les stars. Nous, on les regarde. Moi, vous regarde. C'est vous les stars. Il m'a dormi encore. Mais ne faites pas comme moi. Ne dormez pas. Moi, il m'a dormi. Je m'en vais. Je vous laisse maintenant. Je pars. En tout cas, je vous claque le bisou. Je vous claque le bisou. Si tu n'es pas content, bisous là-bas. Si tu n'es pas content, si t'es trop fâché, là-bas.